Laurent Grandguillaume, c'est d'abord un élu de proximité qui a le souci et qui fait en sorte de peser sur les dossiers. Je l'ai vu notamment avec le projet de rénovation de la fontaine douche, où il a eu sans arrêt la volonté de peser pour maintenir cet équilibre, pour redynamiser le centre commercial, pour faire en sorte que le nouveau projet du quai des Carrières Blanches puisse apporter non seulement des logements, mais trouver une place au sein de ce quartier en prenant un équilibre entre l'environnement et la nécessité de produire des logements de qualité et notamment de permettre en fait le parcours résidentiel avec de l'accession abordable. Un élu préoccupé de l'urbain, un élu préoccupé aussi du monde rural, avec la défense de dossiers, notamment concernant l'éco-PLU, où il a défendu notamment la position des agriculteurs de son canton. Un dossier, là aussi, sur le schéma de cohérence territoriale, où le monde rural a ainsi vu, en la personne de Laurent Grandguillaume, un avocat pour permettre de peser dans ce schéma de cohérence et ainsi assurer un équilibre entre l'urbain et le rural.